Deseptul meu preferat trebuie să fie neapărat crème brûlée sau îmi dă o satisfacție foarte mare ceva care să fie crunchy și neapărat cu nucă. Tiramisu și, bineînțeles, checul marmurat făcut în casă. Am o amintire, da, cu acesta de când îl făceam cu mama mea. Orice prăjitură care conține bezea, cum ar fi prăjitura Pavlova. Fiecare dintre noi are o dependență secretă. Fie că vorbim de tutun, de cărți, de sport sau de zahăr. Asemenea nouă, personajelor literare le plac prăjiturile, iar nouă ne place foarte mult să vedem ce se mănâncă în cărți, mai ales dacă e vorba de ceva dulce. Sunt Nadine Vlădescu, Fata cu Cartea, și vă vorbesc astăzi despre dulciuri, prăjituri și ciocolată în literatură. Si j'ai bien compris, vous êtes le fournisseur officiel de la Cour royale de Belgique. Alors oui, effectivement, nous sommes les fournisseurs de la Cour, donc nous sommes fournisseurs du roi entre autres, mais aussi, il n'y a pas que les rois qui ont mangé du chocolat en Belgique, hein, il y a Victor Hugo, il aurait de temps en temps été dans des établissements pour voir un très bon chocolat chaud, parce qu'il paraîtrait qu'il serait un grand gourmand. Voilà. Donc les écrivains, comme les princes, aiment le sucre et les sucreries et les gâteaux. Mais oui, comme tout le monde. Ce sont des gens d'abord, comme tout le monde. Et si on parle des princes et des rois, de leur couronne, vous avez cette toque impériale. Alors la toque, si je peux me permettre, il y a Paul Bocuse qui a dit: messieurs, soyez très fiers de votre toque, car c'est le seul chapeau qu'on n'est pas obligé de retirer devant les rois ou les princes. Quand on parle de chocolat, c'est toujours une fête qui commence. Tout à fait. Je vois que vous avez un martichon vous-même, mais un grand. C'est une distinction très importante, non? C'est l'Oscar des maîtres chocolatiers. Ah ben c'est gentil comme appellation. Écoutez, je remercie mes parents quand on vit. Non, mais en fait c'est une distinction que j'ai reçue donc il y a à peu près 2 ans maintenant. C'était un peu une reconnaissance par les pairs, donc puisque c'était parrainé par des chefs cuisiniers. Puisqu'à l'origine, ça fait partie donc de l'Académie culinaire de France. Et cette distinction était remise uniquement à des cuisiniers d'abord. Et maintenant, depuis quelques années, c'est ouverte à des pâtissiers, des chocolatiers de renommée. Et il faut pour ça être parrainé par 2 grands membres de cette distinction pour pouvoir avoir accès à ceci. Mare este neapărat una bună, iar personajele gurmande din cărți au ele mereu un suflet mare? De cât zahăr este nevoie ca un personaj negativ să se îndulcească? Dar de câtă ciocolată amăruie sau cu piper pentru ca unul pozitiv să-și piardă în lacrimi speranța?